Bonsoir YouTube, on va faire la tier liste des bonbons pour ce magnifique 17 décembre. Alors 17 décembre sur YouTube, mais 16 décembre sur Twitch. Ça c'est privilège au direct. On va les classer du coup de God à Burke. Alors c'est pas moi qui choisis les catégories, mais bon, je les prends par défaut, on va pas se prendre la tête pour ça. Donc God, top, pas mal, bof et Burke. Ok. Bah du coup, on va commencer, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, les tic-tac mentent. Alors, je sais pas si c'est les tic-tac en général, ou si ce sont les tic-tac juste mentent. Parce que des fois, il y a des petits coups comme ça, on sait pas trop, quoi. Bon, tic-tac, c'est plutôt pas mal, hein, je pense que... Bah, surtout les orange et citron vert, je crois que c'était les oranges et les verts, là. Ça, c'est plutôt solide comme tic-tac. Mente un peu moins, quoi. Les colliers, je sais pas quoi. En fait, j'ai jamais compris l'utilité de ce bonbon, en fait. Parce qu'en fait, le niveau goût, c'est pas fou. Enfin, pourquoi, en fait? Pourquoi? C'est un peu le mystère des bonbons, ce truc-là. Puis, je pense que personne va en acheter en les voyant, quoi. C'est à ça dans des packs de bonbons, mais... Ouais, c'est bizarre. Hein. Des bonbons comme ça, tu sais pas trop pourquoi ça a marché. Ça devait être avant Haribo, ça devait être les bonbons des années 50-60, quoi. On a des bonbons... alors, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être des bonbons au miel. Orange? Ah non, c'est peut-être des trucs orange. Des mandarines. Ah oui, tiens, c'est vrai, je vais vous mettre le mode nuit. Avant que j'oublie. Voilà. Après, je l'ai pas mis sur la vidéo tout à l'heure, je l'avais zappé, mais là, c'est vrai, j'y repense là. Haribo Chamallow. Moi, Chamallow, je suis client. Hein. Je suis complètement client de Chamallow. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Après, ceux-là, je les connais pas trop. Je m'étends pas mal. Après, je pense que tous les Chamallow sont plus ou moins pareils. Quoi. Ça, c'est pareil, ça, Chamallow. Dragibus. Alors, pareil, je suis chiant, mais entre les petits Dragibus et les gros Dragibus... C'est pas pareil, quoi. Je préfère les gros, les petits, des fois, ils sont tout durs, et ça colle aux dents, c'est la merde. On va mettre pas mal, parce que ça reste bon, quand même. Ces trucs-là, c'est pas fou. Mentos. Alors, Mentos, oui. De ce parfum-là, pas spécialement. Ensuite, on a des Haribo Tagada. Purple. Purple ? Oh, cette merde. Tagada Purple. C'est quoi la différence? C'est juste que c'est violet ou... Purple intense. Quoi, c'est à la prune? Aucune idée. Bah, écoutez, on va mettre en bof parce que j'en ai aucune idée. Enfin, j'espère, ouais, on a les vrais Tagada, c'est top, les vrais Tagada. On a un distributeur de je ne sais quoi. Bon, du chewing-gum, du coup, c'est non. Les ficelles, c'est pas mal. Haribo Orangina, c'est... Ouais, c'est bon, très bon même, pour le coup. Des briques. On n'est pas... Je ne connais pas les briques. Les sucres d'or, je trouve ça tellement surcoté. C'est pas Burke, mais... Enfin, pareil, je comprends pas l'utilité, c'est juste du sucre, quoi. Mentos plus agrumes, là, je crois ça, c'est top. Ça, je valide. Ces trucs-là, je sais pas ce que c'est. Skittles, c'est top. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Après, en soi, tous les Skittles, ils sont bons, donc... Ouais, ça, je vais les dévaliser, les trucs, en fait. Les Wither original, c'est pareil, c'est super bon. Les Nounours Sanguineux, c'est super bon. Les Mawam, c'est pas mal. Les Rotella... Alors, ça va ressortir sûrement ce débat sur la réglisse. Réglisse. Mais moi, je suis pas contre. Mais à petite dose, quoi. Du coup, on va dire en pas mal.
Là, on doit avoir des mentos chocolat. Je pense que ça, c'est pas mal non plus. Les trucs là, c'est pas fou du tout. Ça, j'en ai jamais mangé. Oh, ces trucs. Les frites, ça, les frites, c'est trop bon. Ensuite, on a quoi là? Truc de fruits. Ouais, heureusement qu'on dit les bonbons français parce que Haribo Persecken. Pour Skittles, voilà, c'est très bon. Les sucettes. Mais là, il nous faut une marque aussi avec, parce que sinon, c'est chiant. Bon, sucettes en général, c'est pas mal quand même. Hein. Skittles, parfait. Caransac, moi, j'aime bien. Pas mal. Ah, mais ça, mais putain, mais ça, c'est trop bon aussi, ça. Les petits serpents bicolores, c'est pas mal. Ça doit être pas mal non plus. Comment ça s'appelle? Sotschnuller. Quoi? Sotschnuller. Ah, mais il y en a même aussi des. Des réglisses. Réglisses. Réglisses? Putain, mais pourquoi j'ai un doute sur ce mot? C'est terrible. La réglisse. Réglisse. Ok, très bien, pourquoi pas. Bon, Schnuller, ça veut sûrement dire tétine, une connerie comme ça. Les anneaux, c'est super bon. Les arlequins, c'est super bon. Les bêtises de Cambrai. En plus, enfin, c'est plus ou moins de mon coin, mais. En fait, je suis même pas sûr de savoir. C'est vraiment en fait la honte. Hein. Bêtise de Cambrai. Ouais, voilà, ça c'est moyen quoi en fait. C'est moyen. Ouais, mais bon, on peut pas toujours faire honneur à sa région non plus. Hein. Ah merde, je vais devoir dézoomer. Ensuite, on a quoi? C'est quoi ces trucs là? Ah, mais oh, c'est vieux ça. Il me semble que c'est pas mal. Il y a pas genre un chewing-gum avec ou de la. Comment ça s'appelle, c'est ça qui manque sur Tier Maker, c'est comment c'est les noms des pas des images en fait, juste leur donner un petit texte quoi. C'est pareil, c'est quoi ça? Alors, si je zoome, sinon on va la jouer comme ça sinon. Ah mais putain, le problème c'est que c'est pas très bien centré. Je sais pas ce que c'est ce truc là. On dirait des feuilles d'érable. Bon, les bonbons comme ça, c'est bof aussi. Je vois pas trop ce que c'est. Ça, par contre, ça, quel plaisir. Une petite bouteille, là, on kiffe. Les œufs, c'est pareil, ça, c'est un best. Le petit cercle, c'est pas mal. Langue de chat, je suppose. Ouais, c'est pas mal, langue de chat, mais c'est pas non plus transcendant. Ah ça par contre à mes souvenirs c'est dégueulasse. Ça je crois que c'est un truc qui arrache la gueule et c'est pas fou. Peut-être un truc genre menthe extrême ou enfin, c'est quoi Fisherman's Friend? Je crois qu'il y a un. Bon bah Fisherman bonbon. Ouais, voilà, c'est à quoi? Pastille, menthol, eucalyptus. Ouais, il me semble que c'est vraiment pas bon. Ou je n'aime pas, du moins. Alors, les yeux, j'ai jamais mangé, mais ça me tente zéro. Ça, c'est quoi, ça? Des os sucettes, ça? Bon, ça peut être mal. Les dragées, ça dépend, mais en général, c'est pas mal. Copico, je connais pas. Copico cappuccino. Bien. Ça me fait pas rêver. Ça me fait un peu plus rêver. Les crocodiles. Mais oui, les crocodiles. C'est top, les crocodiles. C'est peut-être les crocodiles qui piquent, là, en plus. Bah, c'est maintenant, il y a les crocodiles qui piquent aussi. Les petits bonbons classiques, c'est pas mal. Bah, c'est les mêmes, en fait, non? Je crois que c'est un peu le même délire. Les carambars. Même si c'est caramel, c'est bof, quoi. Ah, par contre, les rubans comme ça, c'est top. Ça, c'est quoi ça? Ça a pas un nom de merde ce truc? Oh, les coucougnettes ou une connerie comme ça. Mettre en bof, ça me parle pas trop. Je sais même pas si j'en ai déjà mangé. Les couilles de mammouth!
C'est pas mal quand même. C'est chiant à bouffer, mais c'est bon. Bon bah les cocos, imbattables. Mais je suis en train de me dire qu'il n'y a même pas les Smarties dedans. Bon, au moins, comme ça, je serai un peu objectif. Oh! Des bonbons End Spinner. Alors ça, par contre... je connais pas trop les bonbons End Spinner. C'est-à-dire bof. On a re des Dragibus. Du coup, soft, c'est peut-être les gros. Et ça, c'est peut-être les petits. Du coup, on va peut-être faire les gros là et les petits là. On fait voir Dragibus. Attends, parce que là, il y a les bleus dans Dragibus Soft. Ça doit être les gros, ceux-là, je pense. Ouais, du coup, moi, je préfère les gros. Les bonbons Harry Potter, jamais goûté, mais je pense que j'ai jamais envie d'y goûter. Les shrooms, c'est solide. Alors, ceux-là, c'est ceux qui piquent. Ceux-là, c'est ceux qui piquent pas, mais les deux sont bons. Bon, je pense que je vais quand même mettre ceux qui piquent pas au-dessus. Truc de fille, ça doit bien se manger. Ça, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Ça, c'est très bon. Des pseudo-fruits, c'est pas mal. Des fraises, c'est pas mal. Oula, c'est quoi ça? On arrive sur les bonbons qui sont pas transcendants. Ça, je sais pas ce que c'est. En plus, ils ont checké. Je dirais des balles de tennis, quoi. Allez, va manger des balles de tennis. Les pèzes, c'est pas mal. Top tout, c'est dégueu. Ça aussi, c'est dégueu, les coquillages. Ça n'a aucun intérêt. Les bananes. Putain, ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé les bananes Haribo. Ça fait pas rêver. Les soucoupes, c'est pas mal, c'est rigolo. Comme ça, c'est bof. Oh, les tubes, je pense que c'est plutôt pas mal. Nerf, j'ai jamais mangé. Et les sucettes, ouais, je sais pas, ça me fait pas rêver. Putain, j'ai tracé là, j'ai speedrunné la fin. Hein. Mais par contre, faut qu'on trouve un top 1. Et là où ça va être un peu plus compliqué. Ça, après, c'est pareil, t'as différents types de bonbons. T'as les bonbons mous, t'as les bonbons durs. T'as les bonbons que tu peux manger à l'infini, t'es bon, t'en manges 2-3, tu fais c'est bon, mais j'en mangerai pas plus. C'est compliqué quoi. C'est compliqué. Qu'est-ce que je mets en top 1? Pense qu'on va rester assez classique. Pense que les coca c'est top 1. Et ça passera tout le temps bien en fait, les bonbons Coca. Je vais mettre ça, puis je vais mettre les Skittles. Ça se fait un peu bonbon mou, bonbon dur. On sera pas mal, hein. Après, les tops, ils sont quand même solides, hein. Mais en fait, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup de bonbons. Mais j'en ai consommé pas mal avant, quand j'étais plus jeune. Putain, c'était il y a des siècles. C'est vrai que ça remonte des souvenirs, mais c'est vrai que là actuellement j'en mange plus beaucoup quoi. Je mange du chocolat parce que forcément on m'en a offert du chocolat. Mais voilà. Ça manque de cuper dans ton histoire. C'est pas grave. Bah c'est pas moi qui choisis ce qu'il y a dans la liste en fait. Donc, du coup j'ai fait ce qu'il y avait. Il y a même pas de Smarties dedans donc. Donc du coup c'est un peu carotte quoi. Mais ouais, Coca, parfait. Skittles parfait. Les tops. Des trucs que je peux bouffer en grosse quantité, je pense quand même. Les pas mal, ouais, c'est de temps en temps. Bof, ça me tente pas. Ça doit être plus être ta catégorie, ça, toi, paragraphe, les bofs, là. Les plus d'ancienne génération. Oh là là, comment ils trashent chez viewers, c'est terrible. C'est terrible. Bon, ouais, voilà, YouTube, la petite tier liste des bonbons. Bon, c'était assez vite, finalement, mais je pense que tout a été dit. Je vous fais des bisous, YouTube, et puis on se retrouve, demain pour une nouvelle série. Et bisous YouTube, ciao ciao. Bisous.